Je suis président du club de judo de Villeparisis, l'USMV. Bernard Angelman du football. Je suis Marc Lemoureux, je suis président de l'association Sport Jeunes et Vacances, qui est une association villeparisienne. Je suis Dérosier Jean-Claude, président du club de football de Villeparisis. Je m'appelle Carl Christian, je suis maire adjoint. Je suis José Henquin, maire de Villeparisis depuis 18 ans. Aujourd'hui, c'est 10 ans l'école des champions. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça fait 10 ans et parce que je trouve que c'est un bon compromis entre la réflexion sur la citoyenneté, le sport, enfin l'intégration dans une ville. Donc je trouve que ça correspond très très bien à ce que nous avons toujours souhaité ici. L'école des champions fait partie un petit peu de notre philosophie, en tout cas à l'association, c'est-à-dire le respect, et aussi tout ce qui concerne la pratique de l'activité sportive. Pour l'état d'esprit, venir en aide aux jeunes, tout ça. Ça fait aussi pas mal d'années que je suis l'école des champions avec le centre Leclerc. L'école des champions est une école un petit peu de la vie, du savoir-être, du savoir-faire et surtout de la convivialité et de... Je dirais apprendre aux gamins les choses de la vie, quoi. Que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau associatif. C'est très convivial. Tout est très bien fait, c'est sympa. Félicitations aux organisateurs parce que c'est quand même une organisation qui est relativement importante et qui doit vous amener beaucoup de travail sur l'année. Mais c'est grâce à énormément d'engagement de bénévoles, et d'ailleurs si cette journée réussit aussi, c'est que les bénévoles nous suivent. Là, nous travaillons, bien sûr, vous travaillez avec un sponsor qui nous accompagne aussi dans toutes nos associations sportives comme les magasins Leclerc, pour les citer. J'ajoutais que remercier l'établissement Leclerc et surtout M. Bosco pour tout ce qu'il fait sur la ville. Moi, je suis très content de vous retrouver. Tu reviens à Villeparisis, pourquoi tu reviens? C'est pour aider et aussi pour transmettre les valeurs qu'on m'a inculquées à l'école des petits champions. Tu as l'impression de transmettre ces valeurs tous les jours? Oui, parce que j'essaye un maximum de montrer l'exemple au collège et dans la vie de tous les jours. Tu voudrais devenir petit champion? Oui. 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 Viens à côté de moi là, viens là. Là, je vous présente Circe, l'ancienne championne. J'attends ça avec impatience même. Brasil.